Alors bonjour les amis, alors juste avant de commencer la vidéo, je fais ce petit aparté. Alors déjà pour remercier les 4 personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis le 18 avril, je vous en remercie, il faut continuer sur cette lancée. J'espère que ça va continuer comme ça, que les vidéos vont continuer de vous plaire. Et également donc pour le but donc de votre confort de regarder mes vidéos, je rigole bien sûr, bon si c'est aussi pour votre confort quand même. J'ai essayé donc d'ajouter des musiques sans droit d'auteur dans le fond, il y en a 4 ou 5 je crois. Et j'ai dû jouer énormément avec les paramètres de son parce que soit on n'entendait pas, soit on entendait ce fameux bruit de micro qu'on entend en fond. Voilà, ce son-là que je n'arrive pas à dégager et qui me saoule. Le problème c'est que j'ai dû regarder et j'arrive pas à l'enlever. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire en sorte que l'on n'entende pas trop, qu'on entende quand même sans entendre ce bruit, mais en même temps qu'on entende plutôt bien la musique. J'ai essayé de faire un peu des trois. J'ai essayé, je pense avoir réussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez regardé la vidéo en entier, si elle vous a plu, et n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous remercie et je vous dis bonne vidéo. Eh bien bonjour tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc pour le tuto donc sur le navire. On va prendre de côté parce que c'est moche. Pour le navire, donc le zeppelin, tout comme ça. Alors là on va s'attaquer à l'arrière et à l'avant. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà reproduit sur une face l'arrière et l'avant. Donc on va le refaire et ça m'évitera de faire des allers-retours. Dites-moi si ça vous va ou on fait comme avant, c'est-à-dire que je fasse mes allers-retours pour pouvoir ce qu'il faut faire. Dites-moi comment vous préférez. Je remercie Dracul, je crois que c'était ça, Dracul pour ton commentaire qui m'a fait plaisir. On tape déjà les commandes. Donc ton commentaire qui m'a fait super plaisir. Donc voilà. Donc du coup oui, en plus c'est parce que je refais la vidéo. Normalement ça, l'arrière était déjà fait, mais je trouvais que c'était pas exceptionnel comme vidéo. Donc du coup j'ai voulu la refaire. Ça il me semblait que c'était déjà fait, c'est juste moi qui l'ai refait derrière. J'ai refait au, je l'ai continué quoi, je l'ai fait en 2 fois. Donc on peut s'attaquer à l'arrière pour aujourd'hui et à l'avant. Et normalement en prochaine vidéo on devrait s'attaquer au dirigeable. Donc voilà. Alors, pour l'arrière, ce que vous allez faire, alors vous avez donc là votre bloc comme ça, juste ici, donc normalement là il y a une bûche, je sais pas pourquoi je l'ai retirée. Hop, je fais quand même des petits allers-retours pour être sûr. Donc là vous mettez donc votre planche sapin, normalement ça doit aller jusqu'à 7 il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, sauf que là vous ne mettez pas en fait la bûche. Celle-là. Donc la bûche sapin, vous faites 1, 2, 3, 4, 4. Ensuite, là, vous remettez une bûche ici. Vous mettez une planche là. À ce bloc-là, à 3 de haut, vous mettez encore les planches. 1, 2, 3, 4. Et là, vous pouvez mettre vos bûches en sapin. Une là. Et comme et les bûches droites sur le mur. Ensuite, vous remettez une bûche là. Et ici également. Là, vous refaites une bûche de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au milieu, vous mettez vos planches comme ça. Là, vous remettez donc les bûches en sapin donc ici. Et vous les relevez également de 2. Et celle-là aussi. Sauf là, vous y touchez pas. Pour l'instant ça ressemble à ça, c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose. Juste là au milieu vous faites un trou. Pour l'arrière, là vous mettez donc vos planches en sapin, comme ceci, donc tout le long. Et alors là en fait, ça on va le supprimer. Donc là vous mettez ça jusque là, vous prenez vos barrières en sapin, vous mettez la deuxième juste ici. Là vous mettez bûche en sapin. Et là ce que vous faites c'est que vous mettez les escaliers à l'envers. Et là vous faites une grande bûche donc de 1, 2, 3, j'ai fait combien déjà? Je crois que c'était 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, c'était ça. Donc tac, 1, 2, 3. Ouais on va le laisser comme ça, c'est pas si mal. Là vous mettez vos barrières à l'intérieur. Là vous faites la même chose. Au-dessus, vous faites 1,
2, 3. Et là, vous remettez une bûche. Normalement, pour ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous prenez donc les demi-dalles. Vous en mettez une sur chaque bûche. Hop, je vous en mets touche. Tac, tac, tac. Voilà. Je pense que ça, c'est bon. Ensuite, vous pouvez prendre les barrières. Vous les remettez ici sur les côtés. Ensuite, vous pourrez remettre le plancher. Donc oui, du coup, moi, je refais jusqu'au milieu. Au moins, vous avez tout un côté jusqu'au centre. Et après, vous allez juste faire la même chose ici. Et voilà. Et je pense qu'en faisant cette méthode-là, on devrait avancer plus vite sur le tuto. Parce que sinon, je perds énormément de temps chaque fois à faire des allers-retours. Voilà. Juste ici, vous prenez donc vos escaliers. Vous les mettez sur cette bûche-là. Donc deux. Là, la même chose jusqu'en haut. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, donc là sur le côté, vous remettez également encore des bûches. Il y en a beaucoup. Tac. Et ici, normalement, là vous refermez. Donc ça vous fait tout le tour. Donc là, vous avez votre petite entrée. Alors normalement, si vous êtes bon, il est censé avoir une entrée de 3 juste ici. Ensuite, vous prenez donc vos planches de sapin, vous en mettez deux, vous remettez un escalier. Là, vous remettez une bûche et un escalier, une demi-dalle. Et là, au-dessus, tout à l'heure, j'avais mis quoi déjà ? Je ne sais plus. Non. J'ai mis ça comme ça, je crois. Ouais, j'avais mis ça comme ça. Et là, vous pouvez mettre une porte. Déjà, on va changer la météo. Donc voilà, ça va mieux avec la bonne météo. Alors du coup, vous pouvez prendre les portes en sapin. Personnellement, je pouvais faire le sapin. Les portes, elles sont où elles? Ah oui, vous pouvez également prendre des barrières en chêne noir. Ce qui va être utile juste après. On aura besoin de torches, mais ça on verra ça plus tard. Et du coup, les portes, elles sont... Ah voilà, les portes en sapin, tac, vous la mettez à partir de l'intérieur, voilà. Alors si vous avez d'autres idées de détails à ajouter, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça serait plutôt cool. Donc là ensuite vous mettez vos barrières en sapin sur les bûches, et voilà, donc jusqu'au centre. Donc voilà, donc ça c'est pour l'arrière, on verra les torches après. Juste ici, vous prenez vos escaliers en chêne noir. Alors, vous faites... Donc sur la fenêtre qu'on a laissée, vous faites 1, 2, 3, 4. Si vous avez bon, vous êtes censé avoir 4. Vous revenez comme ça sur le côté, vous mettez un bloc. Donc ça, c'est pour savoir comment faire un arrondi. Au cas où vous ne savez pas. Voilà. Et au-dessus, vous faites la même chose. Tac. Voilà. Vous mettez vos petites barrières ici. Vous prenez les vitres. Les vitres qui sont... Les vitres. Elles sont là. Vitres teintées en blanc, personnellement, c'est ce que je préfère. Donc vous les mettez juste là. Et voilà, donc ça, c'est pour l'arrière. Ensuite, vous prenez les distributeurs. Enfin, si les distributeurs, ça veut bien tirer, parce que généralement, je me trompe. Donc voilà. Ah là. Et après normalement oui, vous en mettez également de l'autre côté. Sauf que vu que moi je l'ai déjà fait, ça sert pas grand chose. Alors là oui, j'aime pas trop ce côté là. Il faudrait que je vois comment le modifier, mais pour l'instant je ne sais pas trop. J'ai bien un bloc ici. On verra. Ouais, on va faire un temps en fait. Là vous venez dans les décorations, vous prenez bloc de béton noir. Qui se situe quelque part. Ça y est, je l'ai. Donc béton noir, vous le mettez ici et vous pouvez faire deux. Alors pour tous les canons,
que vous avez posées jusqu'à maintenant, tous les canons, vous mettez bloc de béton noir derrière. Alors, celui de dessus, vous pouvez mettre deux blocs de béton noir, et après, les petits, en descendant l'escalier, vous en mettez que un bloc. Et ceux qui sont à l'avant, vous pouvez en mettre deux blocs de béton noir. Et ceux dans les cales aussi. Dans les cales, vous pouvez mettre justement donc bloc de béton noir juste derrière le distributeur, donc vous en mettez qu'un, sinon ça va faire trop. Le petit bouton qui va bien. Et donc sur chaque bûche, vous mettez une torche. Au moins, ça sera éclairé et ça fera propre. Donc du coup, on en était là. Vous prenez donc la redstone. Voilà. Alors oui, normalement pour les blocs là, il n'y a pas besoin de redstone. Quand il n'y a qu'un bloc qui est contre le distributeur. Sauf que j'avais quand même envie d'en mettre une. Je trouvais que ça faisait mieux. Donc là, vous mettez votre redstone, vous mettez votre bouton en pierre qui se situe ici, juste derrière. Et voilà. Et voilà, donc normalement pour l'arrière c'est fait. Ensuite vous prenez les trappes dans le sapin personnellement. Voilà, on va mettre une trappe ici. Et je pense que si on ajoute une deuxième ici. Ouais, je suis pas très convaincu. J'aurai au fur et à mesure, je verrai si j'ai une autre idée au fur et à mesure qu'on avance. Et vous pouvez ajouter juste là à côté du canon. Vous pouvez prendre les demi-dalles une fois de plus. Et les rajouter juste à côté du canon. Parce que sinon. Si vous voulez bien descendre. Voilà. Sinon, on voit pas grand chose. Là, au moins, ça fait la petite marche. On voit beaucoup mieux. Et puis voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'arrière. On peut juste prendre les torches qui sont là. Vous mettez ça ici, donc les blocs qui sont en haut. Ensuite, vous remettez ici et c'est tout. Alors, pour voir un peu ce que ça fait, alors oui, vous pouvez également les ajouter sur les bûches qui sont ici. Vous prenez barrière sapin et là aussi, vous rajoutez les torches. Et voilà. Et donc du coup, ça donne ça. Alors attendez, hop, on va modifier la météo. Voilà, ça fait mieux comme ça. Bon, bah mine de rien, notre navire commence au fur et à mesure à prendre de plus en plus de forme, ce qui est trop, c'est qui est bien. Et ensuite, on va s'attaquer à l'avant. Alors j'ai surtout que lui, j'ai voulu le refaire comme ça en miroir, mais je veux dire juste à côté, parce que j'avais eu déjà énormément de soucis à le refaire. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors, pour l'avant, il y a beaucoup de boulot. Alors déjà, vous faites, si je me trompe pas, attendez, je revérifie. Alors, il y a notre bûche là. Donc regardez, vous, au moins vous voyez mieux. Juste ici, vous avez votre bûche. Donc il y a la bûche qui est juste là. Celle-là. Vous pouvez faire donc 1, 2, 3. Et après, vous mettez 4 bûches à chaque fois jusqu'au plancher là. Sauf qu'en haut, il y a une petite particularité. En train de vous faites 1, 2, 3. Vous mettez un bloc juste derrière. Non, là. Vous remettez un bloc comme ça en sens là. 1, 2, 3, 4. Vous faites la même chose. 1, 2, 3, 4. Là, vous faites encore une fois la même chose juste derrière. 1, 2, 3, 4. Et là, par contre, au lieu de faire à partir de ce bloc là, on le met juste ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Qu'il voulait pas. Qu'est-ce que j'ai cassé? Bon, ah non, ça normalement il est normal, j'ai des faux. Ouais, normalement lui il est normal, j'ai des faux là. Alors, donc voilà, normalement vous avez juste ça. Et si vous avez bon, quand vous avez compté, vous revenez juste ici au niveau de votre bûche centrale. Alors, vous comptez pas à partir de ce trou, vous prenez vraiment à partir de la bûche et normalement vous êtes censé avoir 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, donc si vous avez 14, c'est que c'est bon. Vous avez la bonne bûche. Ensuite, vous pourrez déjà remettre donc la déco qui est juste en dessous. Donc 1, 2, 3. Et après, ça fait 3 jusqu'en haut. Donc autrement dit, vous faites 1, 2, 3. Escalier. Demi-dalle. 1, 2. Un escalier. 2 demi-dalles. Un escalier. 2 demi-dalles. Et là, normalement, pour la dernière, vous mettez 4. 1 escalier et 3 demi-dalles. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier morceau. Ouais, normalement c'est bon. On verra le reste de la flèche après. Alors pour la coque, vous faites. Vous venez juste ici. Alors moi, une petite particularité, c'est que quand je compte, par exemple, là je dis qu'il y a 2. C'est vraiment, c'est avec le bloc d'escalier compris. Donc là, vous faites. Là, vous mettez 3 blocs jusqu'en haut. Donc 1, 2, 3. Juste ici. 1, 2. 1, 2, 3. Là, 1, 2, 3. Et ici. 1, 2 et 3. Si je me suis pas trompé. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier truc. Je reviens au fur et à mesure. C'est bon. Ça, c'est bon pour l'instant. Ensuite, vous prenez. Alors, sur le côté là, vous faites 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4, 2 et 2. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4. Escalier. Non. Escalier, pardon. Donc 1, 2, 3, 4. Et après 2 et 2. Donc 2. Un bloc. Vous en mettez un autre. Et 2. Et normalement, si vous avez bon, on peut déjà remettre le jour. Voilà. On verra mieux. Donc normalement, si vous avez bon à celui-là, vous êtes censé revenir sur cette bûche, donc celle qui est juste en dessous du plancher, et on va regarder ça tout de suite, et c'est bon. Ensuite, pour le dessous, vous faites... Ah, mais c'est pas possible, je viens juste de changer le temps. C'est bon, on partait m'embêter. Alors... Ensuite, vous faites 3 et 2, donc 3 et 2, donc vous faites, donc vous mettez un bloc là, donc 1, 2 et 3, vous mettez un bloc ici, 1 et 2, voilà, ça c'est bon. Et enfin le dernier, si on a bon, on est censé faire donc 1 normalement, ouais c'est ça. Bon, ça a été plus facile que prévu. Alors du coup, pour rappel, vous avez votre bûche ici. Donc celle-là, là, le centre. Vous revenez juste à côté. La ligne du bas, vous faites 1, 2 et 3. Donc autrement dit, 2 blocs de sapin, 1 bloc d'escalier. Vous faites la même chose jusqu'en haut. Donc jusqu'ici. Ensuite, on avance d'un cran. Donc la deuxième bûche, qui est la deuxième escalier, pardon, qui est juste ici. Vous faites donc 2, donc 1, 2, donc bloc de sapin et escalier. Au-dessus, vous faites 2 blocs de sapin et un bloc d'escalier. Et vous remontez encore d'un cran, là vous faites 3 blocs de sapin et un escalier. Ensuite, juste en bas, on avance encore d'un cran, là vous faites 1 bloc de sapin, un escalier, un bloc de sapin, un escalier. Et là vous faites 1 bloc de sapin, un bloc d'escalier, un escalier plutôt. Et normalement, vous avez bon. Alors, dites-moi si vous avez bien compris dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris, dites-le. Je le referai. Je le referai. En essayant de mieux expliquer. Parce que cette partie-là, elle n'est pas trop évidente. Voilà. Tac, là, vous pouvez remplir.
On voit là. Alors, juste ici. Donc, ce bloc là, vous pouvez rajouter escalier en sapin. Normalement. C'est ça. Ensuite, vous faites 1, 2 et 3. Donc, deux blocs de sapin, un escalier. 1, 2 et 3. Là, vous pouvez mettre un bloc. Ensuite, vous pouvez faire 1, 2, 1, 2 et 1, 2 jusqu'au bout. Donc, 1, 2, 1, 2 et 1 et 2. Normalement, j'ai bon. Yes, c'est bon. Voilà, alors pour remarquer si vous avez bon ou pas, normalement, juste ici, sur cette le gros planche au-dessus là, vous êtes censé voir qu'il y a un bloc. J'en sais pas relié directement, c'est pas la fin. Par exemple, là après, on passe directement sur un autre truc. Je sais pas si vous voyez un peu le détail que je veux dire ou pas. Bon, je vais pas vous embrouiller avec ça. Donc, ça, c'est pour cette partie. Ensuite, on va pouvoir faire la flèche. Donc, là, vous mettez un escalier et une dalle. Donc, la vidéo s'arrêtera quand on aura fait l'avant complètement. Parce que sinon, ça va faire. Au moins, la prochaine partie, on s'attaquera au dirigeable et ça sera bon. Alors, là, vous mettez. Alors, attendez. Donc là, vous prenez votre bloc de sap, votre bûche, vous faites 1, 2, 3, 4. Et normalement, juste là, vous mettez un escalier et une dalle. Et là, vous remettez. Et là, vous faites la même chose. Un escalier, une dalle. Ouais, un escalier, une dalle, c'est ça. Tac. Et vous remettez ça là, donc 1, 2, 3, 4, et là votre escalier. Et là vous faites la même chose, escalier, dalle en sapin. Voilà, donc ça c'est pour la flèche du navire. Là normalement j'avais rajouté un petit détail la dernière fois, je crois que j'avais rajouté une petite demi-dalle. Ouais. Là ce que vous pouvez faire, on va prendre ce côté-là, c'est vous pouvez juste sur lui là. Vous remettez une petite demi-dalle ici. Et après, vous verrez pourquoi. Quoi qu'on le mettra après plutôt. Ouais, c'est un peu indécis ce que je dis, mais bon. Alors, pour la suite. Non, je me suis trompé de touche. Alors, ensuite. Juste là. Vous avez donc votre bûche qui est là. Donc, vous mettez un bloc de sapin, un escalier et une bûche. Bloc de sapin, escalier, bûche. Parce que normalement, si vous êtes bon là-dessus, vous posez votre bloc de sapin, vous mettez votre escalier, et juste là, vous mettez votre bûche, normalement. Là, vous pourrez mettre vos planches. Et si je me trompe pas, là, il est censé y avoir un escalier. On va vérifier ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Par contre, ça commence. Si vous connaissez vraiment la touche pour pouvoir modifier ça, ça m'arrangerait vraiment dans les. Ça m'arrangerait vraiment que vous puissiez me le dire en commentaire parce que c'est chiant. Il faut tout le temps changer le temps et le jour. Et ça, c'est chiant, comme je viens de le dire. Mais non, j'ai pas bien le bloc. Ah, c'est bon, il y a. Alors, donc la bûche, on l'a dit. Ensuite, juste là, vous mettez un bloc de sap, un bloc de planche, un blanc, un, deux, trois. Donc là, vous mettez un bloc de sapin, un escalier et un distributeur. Donc j'ai dit que vous mettiez. J'ai oublié ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit ça. Et un distributeur, il me semble. Je sais plus. J'ai déjà oublié. Yes. La mémoire me fait déjà défaut. Alors n'hésitez pas à rejoindre mon. J'ai créé un Instagram pour le compte pour ça. Bah, pour YouTube. Et le nom c'est. Je sais plus. Vous retrouvez le nom en commentaire. Je ne me souviens plus du nom du compte. Et là normalement si vous êtes bon, au niveau de votre distributeur, vous faites 1, 2, escalier et demi-dalle. Et vous arrivez
Normalement, la bûche au-dessus, quoi. Donc, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, normalement, si on a bon, déjà, ça part sur un gros point. Donc, j'ai dit 1, 2, 3 et 4. La demi-dalle, yes. Donc, là, pour rappel, donc vous mettez une planche, deux blocs. Là, vous mettez un escalier et une demi-dalle. Normalement, j'ai rien oublié. Hop, attendez, je vais voir vite fait. Ah oui, d'accord, ça c'est le dessus. Ah oui, parce que tu veux, j'ai remis des demi-dalles, d'accord. Donc, normalement, là, si je me trompe pas, vous mettez encore des dans le sapin. Ouais, je sais, il y a beaucoup de dalles en sapin, mais c'est pour rendre le truc plus épais et plus costaud. Ça c'est bon. Là, vous en mettez pas parce que c'est une balle en sapin. Bravo si vous l'avez deviné. Là, une dalle en sapin. Normalement, là, j'ai mis deux fois des dalles. J'ai mis que sur la blague arrière. Donc, apparemment, je n'avais mis une là. Tac, là, normalement, il y en a une aussi. Et ici, tout le long. Et là, vous avancez de 1. Ou à la limite, 2, comme ça, ça fait mieux. Donc là, vous avez votre donc distributeur. 1, 2 en bloc de sapin. Là, vous rajoutez un escalier. Et ensuite, deux demi-dalles. Juste au-dessus, il faut que vos demi-dalles, elles dépassent d'un cran. Parce que normalement, là, il y a une barrière pour une torche. Et là, il y a des barrières pour le dirigeable. Normalement. Ah, même pas, il y en a juste un qui sert à rien. Ok. Donc là, ensuite, on peut mettre juste les trappes. Alors, si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, juste là, après... Une fois que j'ai fini complètement ce côté là, je ferai un petit rappel au propre. Alors on met celle-ci. Là vous mettez une trappe. Trappe. Après ça fait un peu trop trappe, je trouve. Voilà. Donc là on peut mettre les trappes autour de lui. Après le but, bon, c'est que le navire il soit quand même assez discret. Donc là, je pense qu'il est plutôt discret. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse. Veuillez m'excuser si vous avez entendu un bruit de fond. Donc voilà. Donc alors, au cas où vous n'aurez pas très très bien compris, ce que je peux comprendre, vous avez votre bloc. Attendez, vous voulez tirer un petit peu là. Ah bah, moi qui voulais faire une vidéo de moins de 30 minutes, ça va être chaud. Alors, là vous avez votre bloc. Non mais reviens toi. Alors, reviens là tout de suite. Alors, vous avez votre bûche ici. Vous mettez un bloc de bois. Là, vous remettez un escalier. Juste derrière, vous mettez une planche. Donc derrière l'escalier. Là, vous remettez une bûche. Là, une planche avec un escalier. Là derrière vous remettez une planche. Même deux je crois. Ouais, normalement il y en a deux. Vous remettez. On va laisser comme ça. Là vous. Non vous abusez là aussi. Il me semblait c'est un risque, c'est que le. Comment s'appelle. L'éclair touche le. Comment s'appelle. Attendez, tac. Le risque c'est quand même que ça touche le. Comment s'appelle. Le dirigeable. Qui prennent feu et qu'on se voit dans le caca. Ça c'est plus chiant. Ah c'est bon, il fait jour. Alors, là on a dit distributeur. Ensuite, là vous remettez deux blocs de sapin. Ouais. Deux blocs de sapin. Vous mettez l'escalier. Vous me faites un. Et ensuite pour les vous remettez donc une barrière que j'ai retirée ici avec une torche et les trappes
Les demi-dalles vous ont été ici. Là. Non, pas là. Une ici. Sur le distributeur. Et là, tout le long. Et là, vous avancez de 1. 2. J'ai vu plus grand. Voilà. Donc normalement pour l'avant c'est bon, on s'amuse à mettre les trappes, tac, donc une ici, tac. Tac, là on met une petite trappe comme ça. Mais non mais, là. Voilà. Là, vous remettez une petite trappe ici, bien sympa. Et voilà, ça c'est pas mal. Bon, la forme du navire, ça va, c'est fait. On va juste mettre la bonne barrière qui se trouve ici. Non, la bonne barrière, je dis, voilà. Là, on va rajouter l'arrière du canon, les détails. Béton noir, c'était ouf. Ah bah voilà, béton noir. Un, là vous pouvez faire 2. Et là pareil, 1, 2. Comme tout à l'heure, les boutons et la redstone. Et là la redstone elle est plutôt obligatoire parce que sinon votre canon ne va pas tirer du tout. Ça c'est bon. Vous faites qu'est-ce que je voulais rajouter moi, la redstone, ça ira mieux pour tirer. Et on peut éventuellement rajouter des petites demi-dalles juste ici. Et voilà, là vous pouvez également rajouter une petite barrière. Tac, avec une petite torche. Ça c'est vous si vous voulez, moi je trouve ça fait plutôt bien. Et voilà donc pour le navire. Donc là si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là et vous avez un simple navire. Vous la mettez sur la mer et c'est bon. Donc ça c'est plutôt cool. On a fini une bonne partie. Je pense qu'avant de se quitter, j'ai oublié un détail ici. Là, vous mettez des trappes aussi. Ouais, il y en a encore. Parce que sinon, c'est moche de voir ça. Vous mettez des petites trappes comme ça, c'est bien sympa. Tac. Tac, 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 tac. Tac, tac. On enlève ça un peu. Là, on va voir. On a combien de temps? 32 minutes. Je vais vous montrer assez rapidement comment faire un peu les détails. Alors juste ici pour faire le truc du navire, moi je l'avais fait comme ça, j'avais mis ça là, j'avais pris des tableaux, alors on va essayer d'aller un petit peu vite, ou une peinture, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est une peinture. Non, non, d'accord, c'est un tableau, aïe, non c'était pas un tableau. Je cherche le truc où est-ce qu'on peut poser les objets dedans, le cadre. Ah, c'est ça, un cadre. Je pense. Yes, c'est ça, un cadre. Vous prenez des cadres, vous en mettez. Voilà. Voilà, les cadres, vous en mettez un là. Et un là et un, il me semble, je l'ai fait comme ça. Vous pouvez prendre la boussole, boussole et le truc pour voir s'il fait jour ou nuit, là, le truc là que personne n'utilise. Boussole, voilà, et une montre, c'était seulement. Voilà, là vous mettez alors là au choix, je vais ce choix, moi je mets la boussole ici et la montre là. Ouais, bon, c'est sûr qu'il va pas bouger le navire, ça c'est certain. Et ensuite, comment j'avais fait pour faire le volant? Oula, oula, on se calme. Comment j'avais fait le volant, le truc? Soit j'avais mis des barrières, je crois. Qu'est-ce qui peut ressembler? C'est vrai que pour... Alors, ceux qui sont sur PC, il y a également les lanternes. Je pensais les utiliser. Sauf que le problème, c'est que vu qu'il y a certaines personnes qui feront également ce tuto-là, mais qui ne sont pas sur PC et qui n'ont peut-être pas encore les versions actuelles du jeu, ils n'ont pas ça. Donc, du coup, généralement, je vais m'arranger pour faire les tutos avec des, comment ça s'appelle, des objets que l'on retrouve dans les anciennes versions de Minecraft. Sinon, ça serait un peu injuste.
Non, bah du coup, attendez, en fait, je vois pas trop ce qui pourrait faire un vol, un gouvernail. Non. Bon, bah écoutez, on va le faire comme avant. Le problème, c'est que ça va faire moche. C'est moche aussi, on peut faire comme ça. Ah, bah à la limite, bon écoutez, vous savez quoi, le cadre, faites comme vous le sentez. On a, là de toute façon, vous savez que c'est l'avant, mais le problème c'est que j'ai rien pour, je peux pas changer ça. Donc du coup, je vais rester ça comme ça. Et ensuite, vous pouvez aller, alors là, on va se mettre à l'abri, non, je suis mon capitaine. Ici, vous pouvez mettre déjà les plaques de pression. Tac, plaques de pression marron, non, c'est toujours mieux quand c'est caché. Voilà. Histoire d'être tranquille. Là, vous prenez. Alors, ici, on va aménager ça correctement. Vous prenez des torches. Voilà, vous en avez une ici. Une là. Et une là. Bon, ça, c'est bon. Ensuite, vous prenez les lits. Alors, les lits, je les ai toujours fait comme ça sur Minecraft. Pourquoi? Ben, parce que vu que les bateaux, c'est impair, le capitaine, il est dans un lit, trois places. Ouais, et il se met bien le petit. Alors hop, on va mettre un lit noir. Parce que bon, vu que c'est un capitaine, il faut quand même de l'espace, tu vois. Sauf qu'être un lit, c'est pas exceptionnel. Et en mettre 3, ça fait un peu trop. Du coup, je voulais savoir comment on voulait faire. Ensuite, j'ai une idée de design pour des coffres. Tac, les coffres ils sont là. Alors, c'est coffre piégé. Non, et un peu simple, lui. Tac, vous en mettez deux ici. Vous pouvez là vous pouvez laisser vos trappes et je me demande si on met des petites trappes comme ça par dessus là. Ça peut faire sympa. À la limite, y a pas d'autres. Ça c'est trop clair. Hop, on a qu'à jouer. Alors sur la quoi. Ouais, c'est pas très beau. Ah non, c'est moche. Non, non, on préfère l'ancienne. Je vous laisse au choix. Moi, je pense que je vais laisser ça comme ça quand même. Et voilà, moi, on dirait vraiment deux grosses malles comme il y a dans les jeux de capitaine. Ici, on va juste faire une petite table rapide. On va faire un truc comme ça. On va mettre des tapis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer un truc. Tapis, on va mettre. Vous voyez quel truc tapis? Moi, personnellement, je vais mettre table. Une petite table noire aussi. Allez. On part dans le noir aujourd'hui. Regarde toi par contre. Pourquoi il va pas se poser? Ah voilà. La petite table. Et puis voilà, le capitaine il est bien comme ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Attendez, je vais réfléchir. En dessous, dans la cale, vous pouvez rajouter. Bon, déjà ici, vous pouvez mettre des échelles, parce que sinon ça fait moche. Échelle. Les échelles, elles sont où? Elles sont là. Il y a un truc qui était touché là, non? Qu'il y a un truc qui a été touché, bon. Apparemment il n'y a rien. Donc vous mettez ça juste là, voilà, vous mettez ça comme ça. Là déjà c'est moche, on va combler ça. Là on peut laisser là comme ça et les torches à l'avant. Pourquoi j'ai dégardé les torches en main? Je peux changer? Ah trop bien. On va pouvoir mettre une torche ici, là, et on va mettre juste une là et là. On va pouvoir prendre les lits qui sont ici. On va prendre des lits rouges. On va pouvoir mettre. Allez, j'ai rien qui fasse style pirate à l'art du con avec les moyens du bord. Voilà. Là, on va pas en mettre. Là, on va réserver pour le fond du navire. On va pouvoir mettre un ici, un là,
Bon, quand même, on va mettre ici. Bon, voilà, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Après, c'est des pirates, hein. Ils trouvent un endroit où dormir, et puis voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On va mettre des coffres. Il me semblait que dessus, il y avait des tonneaux. Je suis pas sûr. Ils ont mis des barils. Ça, c'est bien. Alors, pour ceux qui ont la version Minecraft, donc avec les trucs qui vont bien là, les barils, vous pouvez mettre donc des... Non, pas si loin. Vous pouvez mettre des barils comme ça. Vous en mettez pas mal, hein. C'est des pirates. Ok, donc apparemment ils se mettent automatiquement comme ça. Voilà, vous pouvez en mettre quelques-uns. Et pour ceux qui ont... Alors ça c'est pour ceux qui ont la version Minecraft comme la mienne. Et pour ceux qui ont des coffres, vous allez pouvoir mettre ici. Alors juste avant de les poser, vous allez juste casser ce bloc et mettre des demi-dalles en haut, au moins sur ça fera pas bizarre en haut. Et là vous pourrez ouvrir votre coffre si vous voulez. Là vous faites la même chose. Voilà. Là, vous faites la même chose. Voilà, ça c'est bon. En fait, j'aurais dû faire le sol en planche. Ça aurait été mieux. Parce qu'à la limite, si vous voulez, vous pouvez. Alors, pour ceux qui ont la version avec les coffres, vous pouvez vous amuser. C'est à chaque fois, genre à chaque fois à côté des canons. Même là, vous pouvez mettre à chaque fois des coffres. Au moins, ils ont une bonne capacité de stockage. Après, il me semble que c'est plus. Le style du navire, c'est plus style de navire de guerre. Alors. Mon avis, enfin, c'est pas. Hop, voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont la version Minecraft sans les barils. Donc vous pouvez mettre ça comme ça. Et même dans la vraie version, si vous voulez, même ceux qui ont ma version, vous pouvez mettre ça comme ça et rajouter en plus des barils. On a qu'à dire que c'est pour l'équipage parce qu'il aime bien le rhum. Voilà. Bon, en fait, je sais pas trop comment aménager, alors je teste des choses. Après ça, ce que tu vois un petit peu trop, alors on va arrêter là comme ça. Hop, et on va mettre un petit au milieu. Bon, voilà. Ça, c'est pour l'aménagement de la cale, parce que je ne sais pas comment faire. Et je pense déjà qu'on va mettre le jour. Donc voilà, alors avec la bonne commande, ça va mieux. Et donc je pense n'avoir rien oublié pour ce milieu. Ouais, là, il n'y a que là à l'arrière, je sais pas trop comment le faire pour l'instant. Si vous avez des suggestions ou autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je prends volontiers, je regarderai. Merci encore une fois à Dracul d'avoir mis le nom de... Bah, le nom, d'avoir dit ce qu'il pensait de ma vidéo, et voilà. Donc, merci à toi et de t'être abonné. Merci oui aussi à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Les 3 ou 4 abonnés. Je pense qu'on peut facilement aller approcher les 55 abonnés si vous voulez. Ça, je vous fais confiance. Il suffit juste que vous puissiez partager la vidéo. Et voilà. De toute façon, du Minecraft, pratiquement tout le monde en fait. Donc, je pense que ça, tout le monde en fait. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des suggestions de comment ça s'appelle de construction à faire, dites-le moi. Donc prochaine partie, pour ceux que ça intéresse et qui va aller plus loin, on va faire le dirigeable, le gros ballon. Lui par contre il va être un petit peu chiant à faire par contre. Donc sinon le navire est fait. Je regarde vraiment si il y en a oublié aucun détail. Ça ça a l'air bon. La cale, bon je l'aménageais comme je pouvais, la chambre du capitaine pareil. Bon, du coup, oui, moi il y a un peu de neige partout parce que quand je faisais les constructions, bah, il y avait de la neige. Tout simplement. Voilà. Tac, on retire comme ça. Peut-être penser à retirer la vidéo, c'est un peu long. Donc voilà. Les prochaines vidéos qui vont arriver, vous retrouverez donc le dirigeable.
Et ensuite sur cette map là, la suite, ça sera le village. Parce que là, bon, il y a quoi faire, hein, on va bien s'amuser. Et donc voilà, je crois n'avoir rien oublié. Si vous voulez voir le bateau de nuit, ça donne ça. Et voilà, donc ça c'est le petit bateau de nuit. Alors l'avant, oui, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je pense qu'on va bientôt y remédier à ce petit problème là. Il y a moyen. Et voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Donc je vous dis au revoir. N'hésitez pas à partager les vidéos, c'est très important. Et je pense n'avoir rien oublié. On se retrouve plus tard. A plus.